Pour le diabète de type 2, classiquement, on donnait d'abord un premier médicament qui est la metformine. Et au bout de 5, 10 ans, on est obligé d'augmenter le nombre de médicaments. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Les études ont prouvé qu'il fallait taper fort tout de suite. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, et tout vient à point à celui qui sait attendre. Le docteur Réginald Allouche vient d'arriver. Docteur Réginald Allouche, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, que vous êtes ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, et que vous avez publié un livre qui fait référence, qui s'appelle « La méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie » chez Albin Michel. Depuis un an, docteur Allouche, vous avez changé votre façon de prendre en charge le diabète. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que... Vous savez, nous, on a été formés... moi, j'ai un petit peu passé en formation. Et en fait, au début, on prenait... on avait un diabétique de type 2. Hein, on parle bien du type 2. Je vous rappelle, le type 1, c'est une maladie auto-immune avant 20 ans. Ce sont des enfants qui font une infection. Ils ont une mauvaise réponse immunitaire et ils détruisent leur pancréas. D'ailleurs, à ce sujet, je fais une petite incidence. C'est que on s'est aperçu... En Australie, ils ont vacciné les enfants très tôt contre le rotavirus, qui est un virus qui donne des gastroentérites. Vous savez que c'est banal chez les nourrissons, les gastroentérites. Voilà. Ils les ont vaccinés, et ben ils ont diminué de, je crois, de plus de 14% l'incidence des diabètes de type 1. Il semblerait que les rotavirus ont une membrane, et, enfin une membrane, en fait, seraient reconnus comme auraient la même signature que les cellules bêta de Langerhans dans le pancréas. Et donc, quand l'enfant fait des anticorps contre le rotavirus, il fait aussi des anticorps contre ses propres cellules bêta des îlots de Langerhans. Et donc, en fait, il détruit son pancréas, croyant détruire aussi les rotavirus. Donc, on voit bien que la piste infectieuse du diabète de type 1 est en train d'apparaître. C'est très intéressant, c'est passionnant, parce que je pense que les Australiens ont fait ça au niveau de leur pays. Et on va suivre beaucoup, très, très, de très près ces résultats, parce que peut-être que la vaccination rotavirus, qui n'est pas obligatoire en Europe, pourrait peut-être le devenir, pour justement gagner 14 ou 20% de diabète de type 1 en moins chez les enfants et les nourrissons. C'est pas mal. La piste génétique aussi, où ça bosse beaucoup. Pour le diabète de type 2, qui est le diabète d'après 40 ans, avant on disait d'après 50 ans, maintenant on dit d'après 30-40 ans, c'est le diabète du trop de sucre, trop de sédentarité, trop de gras, trop de trucs, machin, on prend du poids et on fait pas assez d'exercice. Pour ce diabète-là, classiquement, on donnait d'abord un premier médicament qui est la metformine, qui est un médicament très connu. Quand vous dites classiquement, dès que la glycémie commence à être supérieure à 1,26 g par litre, vous preniez la metformine. Quand vous avez commencé à exercer, ça existait déjà, la metformine? Déjà, oui. C'est un vieux médicament. Un vieux médicament, c'est un super médicament. On trouve tous les jours de nouvelles applications de ce médicament. C'est une star absolue, la metformine. C'est comme l'aspirine. Et cette metformine, qui est les 2-3 premiers jours, il y a des petits problèmes intestinaux, parfois des diarrhées, puis après ça se calme. Et on donne la metformine. Et puis, la metformine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue ce qu'on appelle la résistance à l'insuline des organes. C'est-à-dire, vous comprenez, quand vous faites peu d'exercice et vous grossissez, les organes, et particulièrement un organe qui est très important pour réguler la glycémie, parce que c'est lui qui le fait tous les jours, c'est le foie devient résistant à l'insuline qui vient du pancréas. Donc, vous voyez bien le système. Le foie, parce qu'il a trop de travail, devient résistant à l'insuline. Le pancréas en fait de plus en plus, puisque l'autre est résistant, et qu'à ce moment-là, comme il en fait de plus en plus, il se fatigue. Et au bout de 5, 10 ans, eh ben le pancréas, il n'en peut mais, et puis l'insuline, il en fait de moins en moins. Et donc, on est obligé, à ce moment-là, d'augmenter le nombre de médicaments. C'est-à-dire qu'on donnait la metformine... Pour relancer la production d'insuline Non, parce que pour compenser, c'est-à-dire qu'on va donner un deuxième médicament, avant on donnait des sulfamides, maintenant on donne d'autres produits, et puis après, quand on était à deux, on donnait un troisième, ou encore de 4-5 ans, parce qu'il y avait un épuisement thérapeutique, et puis après on passait à l'insuline. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Les études ont prouvé qu'il fallait taper fort tout de suite. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vient avec soit un prédiabète, soit un diabète avéré, c'est-à-dire deux glycémies à jeun supérieures à 1,26 g, faut taper fort. Faut pas donner que la metformine. Il faut bien entendu, je le rappelle, le premier traitement, c'est la perte de poids, donc une nouvelle routine alimentaire. Je dis routine alimentaire et pas régime. Parce que le régime, c'est je le fais puis j'arrête. La routine alimentaire, c'est une nouvelle vie.
Et il faut arriver, quand on a 40-50 ans, à se forger une nouvelle routine alimentaire. Bon, il y a des tas de livres qui existent là-dessus. Et cette routine alimentaire, elle doit se caler aussi avec une certaine orthodoxie sur les comportements. Je mange à la même heure, j'essaye de manger toujours à peu près la même chose. Vous savez que plus vous mangez la même chose, moins vous mangez. Hein, c'est cette extraordinaire expérience des petits. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Les bonbons. Les bonbons de couleur. Ouais, vous vous souvenez de ça? Ah, trop très bien. Mais moi, je l'aime bien cette histoire. Bon, voilà, on a proposé à des étudiants des bols de bonbons de couleur, rouges. Alors, les étudiants mangent à débit. Et ils pouvaient manger ça comme ils voulaient. Et ils mangeaient. Et puis, à un moment, les types disent ça suffit, arrêtez avec vos bonbons. Voilà. On leur reprend, on leur repousse, on enlève ces bonbons-là, on leur redonne les mêmes bonbons, mais pleins. Et là, c'est non, c'est niette. C'est un nom, un vrai nom. Et après, on leur donne les mêmes bonbons, mais jaunes. Et bien là, ils recommencent à manger. Le cerveau adore au niveau gustatif la nouveauté. Il adore changer. Ce qu'il faut au contraire, c'est dire, dans sa vie, je mange régulièrement la même chose. C'est comme les menus de cantine à l'époque. C'était très bien les menus de cantine. Ah oui, le lundi, le mardi, chaque jour de la semaine, on savait. Et puis le vendredi, il y avait le poisson et le machin, les trucs. Voilà. Et de temps en temps, faire des repas exceptionnels, de fête. Alors, et c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, ces repas de fête sont des vraies fêtes. Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose? D'avoir des repas de fête tous les jours. Tous les jours. À chaque fois que je vois maintenant quelqu'un à la boulangerie qui demande 2 croissants le matin, je pense à vous. Ben voilà. Moi, les croissants, mon père, religieusement, allait le samedi soir demander au boulanger de réserver 4 croissants pour la famille. Il y avait 2, on était 6, mais il y en a 2 qui ne mangeaient pas. Ouais. Et des bons croissants au beurre qui étaient bons, on les mangeait. Je le démontais comme ça, j'avais la chair au milieu. C'était le dimanche. Et c'était un vrai kiff. Et ben voilà. Mais aujourd'hui, tous les jours, il y a des gens qui prennent des croissants. Qu'est-ce que c'est un croissant? C'est du gras et du sucre. Bon, alors vous dites qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un arrive, soit en pré-diabète ou diabète avéré, il faut taper fort. Il faut taper fort. Donc, qu'est-ce que vous appelez taper fort? Alors aujourd'hui, il faut savoir que vraiment, on tape sur les labos pharmaceutiques. Hein, tout le monde tape, moi y compris. Hein. Mais alors, ils ont super bien travaillé, je veux dire, pour le diabète. Vraiment. Ils ont sorti, depuis 10-15 ans, des gammes de produits, des produits pharmaceutiques qui sont très efficaces. Alors, il y a toujours la metformine qui est la référence. Aujourd'hui, quand on est diabétique, à part si, de type 2, si on a vraiment des problèmes gastriques, intestinaux, enfin, si on n'arrive pas à le tolérer, on a d'abord ça comme produit de fond. Et puis ensuite, il y a d'autres produits. Alors, les grandes catégories, ça va être un peu technique, mais je sais que les auditeurs adorent ça. On y va pour l'arsenal thérapeutique. Il y a ce qu'on appelle les agonistes du GLP-1. Quelle horreur. En fait, le GLP-1, c'est une hormone qui, lorsque vous mangez, est sécrétée par l'intestin grêle. Cette hormone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller dire au pancréas, s'il y a trop de sucre dans le sang, fais de l'insuline. C'est merveilleux. Pas fait de l'insuline quoi qu'il arrive et j'ai un malaise hypoglycémique. C'est si la glycémie augmente, fait de l'insuline. Vous avez compris, c'est extraordinaire. Donc il y a une régulation automatique. Donc, agoniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça favorise la sécrétion. Il y a antagoniste, ça veut dire contre. Agoniste, ça veut dire avec. Donc les agonistes du GLP-1, quand vous prenez ces médicaments, ils vont augmenter la sécrétion de votre insuline. Et comme un diabétique de type 2 a toujours encore d'un pancréas qui fonctionne et qu'il ne faut pas le fatiguer, eh bien, il va pouvoir, comme ça, sécréter de l'insuline. Alors, ces produits ont 2 inconvénients majeurs. Le premier, c'est que c'est uniquement par piqûre, dans la cuisse, avec une petite aiguille. Donc ça, c'est soit tous les jours, soit une fois par semaine. Ça dépend des formes. Mais c'est la piqûre, la picouse, l'aiguille, vous la voyez même pas, hein, tellement elle est fine. Mais bon, c'est quand même se piquer une fois par semaine ou tous les jours. Et puis, deuxième inconvénient, c'est qu'à certaines doses, vous pouvez avoir de vrais problèmes gastro-intestinaux avec des diarrhées, des douleurs intestinales. Donc, il y a un petit problème de tolérance. Mais c'est vraiment des produits à progrès. Et on parle du GLP-1, on parle aussi d'un autre qui s'appelle... GLP-2, enfin, il y a plein de... Voilà. Ça, c'est la première gamme qui est très intéressante. Il y avait une gamme qui s'appelait les inhibiteurs du DPP-4. Alors là aussi, je vais expliquer. Le GLP-1, il est transformé dans l'intestin par une enzyme. Et si vous bloquez cette enzyme, vous avez plus de GLP-1. C'est le DPP-4. Voilà. C'est un effet plus doux
que le GLP1. Donc ça a été aussi, ça a 10-15 ans. Hein, voilà. Et puis un troisième gamme qui est vraiment, qui a énormément d'intérêt parce qu'elle a aussi, elle a deux fonctions, en plus de la fonction, elle a une fonction cardioprotectrice et néphroprotectrice. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Elle protège le rein, elle protège le cœur. Et donc c'est ce qu'on appelle, vous êtes bien assis, les inhibiteurs du SGLT2. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que ça fait? Très simplement, ça fait pisser du sucre. Sodium, glucose, co-transporteur de... Voilà, ça fait pisser du sucre. C'est-à-dire que dans votre rein, vous savez, le rein, il y a une artère rénale, et cette artère rénale apporte le sang général, et puis à l'intérieur du rein, vous avez des toutes petites trucs, des toutes petites artères quasiment transparentes qui sont en boucle, qu'on appelle, qui sont dans le néphron. C'est une petite usine de traitement multipliée par 10 000. Et ce néphron, il laisse passer certains produits et il garde d'autres. C'est ce que fait. Et l'urine, ce qu'il laisse passer, ça va. Ce qu'il laisse pas passer, ça va dans l'urine. C'est comme ça. Le rein, c'est un filtre. Mmh. C'est comme un filtre à huile dans une voiture. Ça enlève les impuretés, puis ça laisse passer l'huile propre. Voilà. Le rein, c'est ça. Eh bien, qu'est-ce que font les inhibiteurs du SGLT2? Eh bien, qui sont nouvellement arrivés en France, puisque le produit est enfin disponible en France. Avant, il était disponible en Europe, dans l'Europe. Eh bien, ce produit fait pisser du sucre. Mais donc, si ça fait pisser du sucre, ça diminue le taux de sucre dans le sang. Mais il y a un inconvénient, toujours le même, c'est que quand vous pissez du sucre, il faut boire suffisamment d'eau. Parce que sinon, si vous avez trop de sucre dans la vessie, vous allez avoir des infections urinaires. Donc, vous voyez, chaque... Alors, vous avez parlé du rein, mais le cœur, quel est le bénéfice pour le cœur? Alors, parce qu'on s'est aperçu aussi que ces inhibiteurs avaient protégé le cœur et surtout avaient un impact, pour certains d'entre eux, sur l'insuffisance cardiaque qui permettait de traiter. Donc, les cardiologues, les néphrologues, les diabétologues, les endocrinologues sont très, très intéressés par ces produits-là, qui sont vraiment une nouvelle génération très importante. Et là, il faut, franchement, on tire assez sur les labos, il faut dire que là, ils ont vraiment très très bien travaillé, mais comme tous les produits efficaces, il faut bien se mettre dans la tête, quand un produit est efficace, il a des effets indésirables. Donc, quand vous en parlez avec votre médecin, il faut vraiment que vous fassiez le juste milieu entre l'effet bénéfique et aussi les effets indésirables que ça peut apporter. Mais c'est une nouvelle façon, c'est la façon de traiter le diabète. Mais alors vous, quand vous prenez en charge un patient diabétique, vous lui donnez l'intégralité de ses produits? Non, pas du tout. Comment vous choisissez ceux qui... Metformine, c'est pour tout le monde, c'est ça? Oui, la metformine, c'est de toute façon... C'est la pierre angulaire. La Haute Autorité de Santé sort des fiches qui vous donne des conseils que vous devez suivre en général et qui vous dit tous les autres produits ne peuvent être donnés qu'en deuxième intention, c'est-à-dire en accompagnement de la metformine. Hein, c'est assez cadré. Aujourd'hui, on est dans la vision de base medicine, c'est-à-dire qu'on lit les publications et on sait que dans les publications, il faut associer les deux et pas les donner tout seul. Vous les donnez tout seul quand vraiment la metformine pose des problèmes intestinaux. Mmh. Voilà. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est vraiment... le diabète aujourd'hui, c'est devenu une épidémie. Hein. On parle bien sûr du Covid. De la Covid, Que vous avez du mal avec la Covid. Je ne sais pas pourquoi. D'un coup, il est devenu féminin. Alors, un virus, c'est féminin. Enfin, bon, je ne sais pas. C'est genré comme réponse, mais voilà, je suis désolé. Dites comme vous voulez. Moi, je dis le Covid, je dis le virus. C'est un virus, après tout. Voilà. Et pourquoi le méchant serait une femme? Franchement, il y a un truc qui est pas... Dans l'inconscient social, c'est bizarre. Mais c'est un coronavirus. C'est un coronavirus, voilà. Voilà. Donc, le diabète, lui, est une maladie qui est bien plus dangereuse que le Covid. Bien plus dangereuse que le Covid. Et je trouve que dès que vous savez que votre glycémie a augmenté, moi, je vois des gens qui ont une glycémie qui a un petit peu augmenté. C'est la puce à l'oreille. Parce que c'est une maladie lente. C'est une maladie, il n'y a pas de symptômes. Mmh. Elle dit rien. Elle avance, elle ronge. Et jusqu'au moment où, quand vous êtes rongé, il y a un moment de point de non-retour. Donc c'est très important que vos médecins, les médecins aujourd'hui, que ce soit en Europe ou dans le Maghreb, sont bien formés. Ce sont des gens qui ont une bonne formation, qui savent. 95% des diabétiques sont traités par nos médecins généralistes. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens ont un arsenal thérapeutique, ils ont compris. Les médecins savent ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux. Il faut arrêter les histoires de chasse. Aujourd'hui, c'est bien d'être français quand on veut être traité. Hein. Voilà. Et est-ce qu'il pourrait y avoir un vaccin, finalement, contre le diabète? Alors, ça, c'est une excellente question.
Alors, ne me posez pas cette question parce qu'elle va m'énerver. Je veux dire pourquoi. Ah, j'adore. Parce que, j'aime beaucoup quand vous êtes énervé, docteur Alouche. Parce que là, j'ai dit plein de bonnes choses pour les labos, mais peut-être que de ce côté-là, je serais peut-être un tout petit peu plus critique. Parce que, par exemple, l'hypertension artérielle, qui est quand même la maladie reine, c'est-à-dire celle qui touche quasiment... je ne sais plus combien, 30%, enfin c'est colossal, qui fait que tous les jours, des gens prennent des pilules pour l'hypertension. Et j'avais ouï dire qu'à un moment, il y avait un vaccin qui avait été inventé. Et une fois par an, on se faisait vacciner contre l'angiotensine, qui est celle qui provoque le... Et que du coup, alors on dit non, il n'y a pas eu de résultat, La réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de traitements sont des traitements de compensation. On évite aux gens les complications d'une maladie. Mais on ne s'attaque pas à la maladie. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est qu'on guérit du cancer aujourd'hui. Le cancer du sein, c'est 80% de guérison. C'est-à-dire c'est de la guérison. C'est-à-dire c'est plus, il n'est plus là, il est parti. Mmh. On guérit de la tuberculose. On guérit des infections. Mais des maladies chroniques, comme l'hypertension, le diabète, l'arthrose, tous ces trucs-là, on ne guérit pas. Et donc j'aimerais beaucoup, c'est un message que je porte. Moi, j'adorerais qu'on travaille sur la guérison de ces maladies. S'attaquer à la cause et guérir la cause. C'est quoi le fond de votre pensée ? Le fond de ma pensée... C'est finalement une maladie chronique, c'est un business finalement qui rapporte beaucoup d'argent et on n'a pas intérêt à la faire disparaître ? Franchement, moi je vais vous dire, je crois pas. Je crois au chaos, je crois pas au complot. D'accord. Excusez-moi cette formule. Je pense que des gens qui, dans des entreprises, iraient comploter pour que les gens... J'y crois pas de... Prennent des médicaments à vie ? Oui, prennent des médicaments à vie. Pourquoi ? Parce que quand vous combattez une maladie comme le diabète, qui est une maladie qui va mettre 10 à 15 ans à se fabriquer chez vous par vos mauvaises routines alimentaires, par le manque de sport et la sédentarité, revenir en arrière. Parce que quand vous faites ça, vous avez compris que dans le diabète, vous avez l'insuline résistance, une insuline qui marche plus très bien, une conduction au niveau de la satiété, une sensation qui marche plus. Vous avez 3, 4, 5, c'est très difficile. Alors que dans des maladies comme le cancer ou comme vous avez un point à résoudre. Vous avez Myriam qui est au standard au 01 53 48 3000 et qui voudrait vous poser une question. Myriam, bienvenue. Myriam. Ou pas, hein? Merci beaucoup, bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour. Je voudrais d'abord commencer par remercier le docteur Lalouche parce que j'ai vraiment bien intégré tout ce qu'il a dit concernant le diabète et je trouve qu'il a vraiment bien expliqué et je l'en remercie. Merci Myriam. Aussi, il faut... Merci à vous. Plus vous saurez, plus vous comprendrez, plus vous serez armé contre la maladie. Ça, c'est une règle là, absolue. Votre explication, vraiment, elle est simple et claire. Quoi. N'importe qui peut la comprendre. Et ça, pour un médecin, moi, je vous félicite parce que ce n'est pas toujours évident. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, j'ai une question parce que j'ai eu deux grossesses. La première, tout s'est bien passé. La deuxième, j'ai eu un diabète de grossesse. La complication, régime alimentaire et au final, césarienne. Je voudrais comprendre comment ça peut arriver comme ça pour quelqu'un qui n'a pas eu de diabète, qui n'a pas de diabète. Comment ce diabète de grossesse peut débarquer comme ça du jour au lendemain ? Ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Gestationnel, voilà, diabète oui, grossesse gestationnel, c'est la même chose. Vous avez, si je peux me permettre de vous poser une question, vous avez pris combien de kilos à la première grossesse ? Alors la première, boum badaboum, j'étais quelqu'un qui prenait très très peu de poids, oui. 1m65 pour 55 kilos. Oui. À la fin de ma grossesse, j'avais pris plus de 20 kilos. D'accord. Donc, la première grossesse, si vous voulez, a été probablement pour votre organisme et un stress au sens noble, pas un stress au sens péjoratif. C'est-à-dire que une femme enceinte, c'est une femme qui va voir dans son corps une transformation absolument majeure. Elle va avoir des taux d'hormones qui vont augmenter, qui vont être multipliés par un facteur 3, 4, 5 et qui va changer complètement la façon qu'ont les organes de se comporter. Et lors de votre deuxième grossesse, vous avez pris combien de kilos au début ? Alors, j'en avais quand même perdu pas mal. J'en ai perdu plus de 10. Oui. Et j'en ai pris environ 15.
15, voilà. Donc, pour nos auditeurs et pour vous, vous savez qu'un bébé, ça pèse entre autour de 3 kg 2, 3 kg 4 au maximum. Parce que vous savez qu'au-dessus de 4 kg, c'est souvent une indication d'un diabète de grossesse, hein, ce qu'on appelle les gros bébés, qui posent des problèmes. Non pas pour eux, parce que les enfants, eux, ça va, mais justement, ça pousse à faire des césariennes. Parce que les gros bébés, ça ne passe pas par le détroit inférieur. Donc, il faut parfois aller en césarienne. Mais ce qui se passe aussi, c'est que donc il y a 3 kg 2, 3 kg 4, vous avez le placenta qui va peser à peu près 4 kg, le placenta qui est fondamental, comme vous le savez, et puis vous avez l'eau amniotique, le liquide amniotique. Mmh. Donc on est 7, 10, 11 kg. Je veux dire que la croyance qui voudrait que les femmes enceintes doivent prendre beaucoup, beaucoup de poids, je pense que ça n'est pas une bonne croyance. Il n'y a pas besoin de réserve. Une femme, c'est quelqu'un d'assez solide, il faut le dire, parce qu'elle est homozygote XX, hein, alors que les hommes sont XY, je vous le rappelle. Merci. Donc, vous êtes très solide. Et donc, si vous prenez 10, 11, 12 kilos, ça va très bien pour une grossesse. Et pour vous, et pour répondre à votre question, ce qui se passe, il y a deux actions. La première action, c'est que quand vous prenez beaucoup de poids, vos organes, comme pour n'importe quel diabétique, deviennent insulino-résistants. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à réagir à l'insuline. Deuxièmement, votre pancréas, lui, ne peut pas fournir suffisamment non plus d'insuline pour l'ensemble, parce qu'il en fournit pour 55 kilos, pas pour 75 kilos. Et troisième point, il y a aussi un facteur immunologique. Il y a des terrains qui font que avec le pic d'hormones féminines, eh bien, il y a des modifications membranaires, il y a des choses qui se passent. D'ailleurs, vous savez très bien que la complication, c'est l'hypertension gravidique, l'éclampsie. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont liés à la grossesse elle-même, pas seulement à des problèmes hormonaux ou mécaniques. Alors là, vous avez dit deux mots qui me... Qui vous ? Alors, éclampsie, allez-y. Non, mais ça peut faire des prématurés, ça peut faire des fausses couches, hein, ça peut faire aussi des accouchements prématurés, il y a beaucoup d'une hypertension gravidique. Donc, en fait, il ne faut pas le prendre à la légère, le diabète gestationnel. C'est un diabète qui augmente aujourd'hui, il faut le savoir, dans la population générale. Il faut le prendre très au sérieux. Le traitement, il est simple, il y a un traitement, hein, c'est les nouvelles routines alimentaire, c'est aussi le traitement à l'insuline. On pose aussi des pompes à insuline parce que souvent c'est une diabète de grossesse, c'est souvent au dernier trimestre que ça devient embêtant parce que justement on a pris du poids, on a voilà. Et donc c'est si vous êtes bien prise en charge dans un service spécialisé, il y a aucun souci ni pour vous ni pour le bébé. Par contre, il y a un tout petit codicille, c'est que il faut savoir que lorsqu'on a eu un diabète de grossesse, on a un peu plus de risque d'avoir un diabète après 40-45 ans. Donc, la recommandation que je vous donne, Myriam, c'est de, tous les ans, faire une glycémie à jeun pour savoir où vous en êtes. Voilà. Si ce que je vous souhaite, c'est qu'il ne se passe rien. Mais dans certains cas, le risque d'avoir un diabète de type 2 est augmenté pour une femme qui a eu un diabète de grossesse, a fortiori si elle en a eu deux. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup. Voilà. J'avais juste une dernière question concernant toujours ce point-là. On dit qu'une femme qui l'a eu une fois, pour ses futures grossesses, l'aura aussi systématiquement. Est-ce que d'après vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il y a beaucoup de risques, effectivement, pour que la grossesse suivante, c'est pour ça qu'il faut la prévoir, la grossesse. C'est-à-dire que si vous avez envie, et ce que je vous souhaite, d'avoir un troisième enfant, à ce moment-là, il faudra prévoir, en discuter avec votre médecin, votre obstétricien, et puis préparer le terrain pour éviter que la maladie n'apparaisse. Si vous ne changez rien, effectivement, le risque est réel. Mais si, et comme je vous entends, je vous écoute, et je vois que vous êtes très, très impliqué, et que vous avez compris, à ce moment-là, parlez-en avec votre médecin, parlez-en avec votre obstétricien. Aujourd'hui, le diabète de grossesse est extrêmement bien documenté et vous prendrez les précautions nécessaires pour que, si Dieu le veut, vous n'ayez pas ce troisième diabète de grossesse. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite le plus sincèrement possible. Ah ben merci beaucoup, parce que vraiment, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que j'avais du mal à me projeter. Et là, du coup, vraiment, ça me donne plus de motivation et plus d'espoir. Ben merci beaucoup, docteur Lalouche. Myriam, une chose qui est très importante dans ce que vous avez dit et que je donne à tous les auditeurs et auditrices, c'est que plus vous vous occupez de vous,
plus vous êtes important pour vous, plus vous vous occupez de votre santé, et mieux ça se passera. Pensez, fermez les yeux que peut-être ça se passera bien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche quand on s'occupe de soi. C'est bien le travail, c'est bien les enfants, mais il faut s'occuper de soi. Merci Myriam pour votre appel. Merci beaucoup. Maman, je l'aime beaucoup ce docteur. Hein. Vraiment, il est rentré dans mon cœur. Là. Ah, ben le docteur Alouche, ah, oui, mais vous êtes des millions à l'aimer, hein, je peux vous dire. Merci Myriam. Gardez merci, le bien au chaud. Hein. Merci beaucoup. Belle journée. Belle journée à vous. D'ailleurs, dès que je vois que quelqu'un approche le docteur Alouche, je grogne. Oui, vous grognez. Oui, je grogne. Vous n'avez pas besoin de grogner. Bon, alors Nora. Oui, Nora qui attend. Bonjour Nora. Allô, bonjour docteur. Bonjour Nora. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour ces émissions qui sont très enrichissantes, surtout pour des gens qui sont assoiffés d'informations comme moi. Oui, vous avez raison. Donc j'aurais aimé poser deux questions au docteur Alouche, si c'est possible, s'il vous plaît. Bien sûr, allez-y. Alors, la première, j'ai bien écouté votre mission qui est très importante. Vous avez dit, une fois qu'on a le TD2, il faut taper fort. On a la metformine. Oui. Il faut taper fort pour donner quoi encore autre chose? Oui, alors, en fait, l'idée c'est, la metformine, elle va diminuer l'insulinorésistance, donc c'est très bien. Oui. Elle va un petit peu provoquer la sécrétion d'insuline. Maintenant, il y a d'autres produits comme par exemple les agonistes de GLP-1, s'ils sont bien tolérés et si les gens acceptent de se faire une piqûre par semaine ou une piqûre par jour, qui va aider. C'est des produits, alors si vous voyez de quoi je veux parler, vous connaissez l'hémoglobine glycée. Tout à fait, je suis soignante, oui, tout à fait. Voilà, l'hémoglobine glycée, en fait, ça vous donne... Alors, je vais expliquer très rapidement ce que c'est. Dans le sang, vous avez des globules rouges. Dans les globules rouges, ils sont rouges parce qu'il y a de l'hémoglobine. C'est l'hémoglobine qui transporte l'oxygène qui vient des poumons et qui va l'amener aux organes. Jusque-là, ce n'est pas compliqué. Et il y a une fraction, une petite partie de l'hémoglobine qui se marie avec le sucre. Ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, gluc, sucre. Voilà. Oui, et le bon pourcentage, c'est d'être aux alentours de 5%, jusqu'à 5,4%. Et ça nous donne quoi? Comme on sait que le globule rouge, il vit en moyenne 3-4 mois, hein, c'est une moyenne, à ce moment-là, ça nous donne la quantité de sucre qu'il y a eu en moyenne sur 3-4 mois. Donc vous voyez, vous avez la glycémie à jeun qui est instantanée, aujourd'hui vous avez tant ce matin, et la glyquée qui vous donne un panorama. Avec ces deux chiffres, en gros, on sait à peu près ce qui se passe. L'avantage de la metformine, c'est qu'elle fait baisser un peu la glyquée, de 0,2-0,4%. Les anagonistes du GLP-1, ils font baisser de 0,5-1%. Voilà. Et vous savez pourquoi on dit 7% la glyquée, le maximum? Pourquoi on dit ça? Ça dépend des âges aussi. Hein. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais si vous avez un diabète qui apparaît à 80 ans, ce n'est pas le même enjeu que si vous l'avez à 30 ou 40 ans. Et Nora à 50 ans. Si elle a 50 ans, eh bien, il faut être en dessous de 7. Pourquoi? Parce que 7%, c'est le chiffre qui correspond au début des complications micro-angiopathique, c'est-à-dire pour les yeux et pour le rein. Voilà. Donc, à votre question, c'est ça, quand on dit taper fort, c'est d'emblée, plutôt que de donner un produit, pourquoi pas en donner un et deuxième attendre. Et ouais. Plutôt que d'attendre qu'au bout de 4-5 ans, on dit « Ah, ben, la metformine, ça ne suffit mijote. Pas, je vais vous... Voilà. » C'est ce qu'on appelle, l'accélération, en fait, c'est l'intensification. L'intensification, merci. Je l'avais noté parce que c'est vous qui me l'avez dit, du traitement des diabétiques. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'intensification. Il vaut mieux intensifier au début, parce qu'on sait que dans le diabète, quand on a un diabète de type 2, les complications, le diabète, il ne s'arrête pas. Donc ce qu'il faut, c'est lui taper sur la tête très fort au début, pour lui dire, mon grand, tu ne vas pas passer, et les complications, plus tard je les aurai, mieux je me porterai. Exactement. Voilà. Je vous remercie pour la première question. Deuxième question. Pour la seconde, j'ai une frangine qui a 55 ans. Oui. Alors, pendant 5 ans, elle a été diagnostiquée par un TT2, un diabète type 2. Oui. Après les 5 ans, elle a été rediagnostiquée. Et après tous les compléments qu'ils ont fait, les bilans, tout ce que j'ai ensuite, ils ont découvert que ce n'est pas le T2, mais c'est le T1. Oui. C'est ce qu'on appelle le LADA. Alors, voilà, c'est exactement là. C'est un LADA. Late Apparition Diabetes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont aujourd'hui des diabètes de type 1 qui sont vus comme des diabètes de type 2. Alors, ce qui les différencie, et si on veut faire la différence, je suis désolé d'être technique, mais c'est comme ça que ça marche. Hein, non, mais... Il faut faire la détection des anticorps
anti-GAD et anti-IA2. Quand on fait une prise de sang et qu'on a les anti-GAD, anti-IA2, il s'agit d'un diabète de type 1 auto-immun. Par contre, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas sûr aujourd'hui qu'un type 1 tardif, ce qu'on appelle un tardif type 1, qui d'habitude vient, vous vous souvenez, avant 20 ans ou avant 25 ans, un type 1 tardif à 55 ans, on n'est pas obligé de le traiter avec l'insuline. Le traitement du type 2 marche aussi. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie auto-immune. Donc, il faut voir avec le médecin, qui connaît ça parfaitement, quelle est la bonne méthode. Est-ce que c'est la mise à insuline? Est-ce que c'est la mise à des traitements médicamenteux? Ou est-ce que c'est les deux? C'est-à-dire, ça peut être... Oui, ça les deux. Voilà. C'est-à-dire, une piqûre d'insuline lente par jour, qui va assurer un niveau de glycémie. Parce que un type 1, c'est quelqu'un qui a beaucoup moins d'insuline. Donc, il va assurer un débit d'insuline dans la journée. Il y a de très bonnes insulines lentes maintenant, qui durent 24 à 28 heures. Et puis, quelques traitements, quelques médicaments dans la journée pour faire le complément. Par contre, est-ce que vous croyez à une théorie? Moi, j'y crois pas, à moins que Allahu alam. À une théorie que... Ça, c'est ma sœur. Hein. Oui. C'est une personne que je connais très bien. Oui. Alors, je vous ai dit, elle a traîné pendant 5 ans. Oui. Ils ont parlé que c'était T2. Oui. Après 5 ans, il parle de T1. Oui. D'accord. Et là, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 mois. Après des analyses, comment dirais-je, complètes, je dis bien complètes à 100%, elle apparaît qu'il n'y a plus de diabète. Il n'y a plus de diabète. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est réellement, c'est une théorie qui peut arriver? Quelque part, je suis un petit peu... Écoutez. Je vais vous dire, pour répondre vraiment pragmatiquement, d'abord il faut que vous sachiez une chose, en médecine on peut tout voir. 98% des choses qu'on voit sont répertoriées, vous verrez toujours 2% de choses qui n'arrivent jamais. Et ça, c'est les formes et les variantes, et il se peut que son diabète ait guéri. Cela étant, il se peut aussi que les traitements aient fait effet, et que comme les maladies auto-immunes, vous savez, les maladies auto-immunes, il y a le diabète, il y a aussi la sclérose en plaques, il y a des moments de rémission. C'est-à-dire que, pour des raisons qu'on ignore, le système immunitaire fonctionne normalement, au lieu de s'attaquer à ses propres cellules, et vous avez des époques de rémission qu'on souhaite les plus longues possibles. Voilà. Voilà, Nora, pour ces trois questions, en fait. C'était deux en trois. Vous réécoutez l'émission sur les intensificateurs du traitement des diabétiques, donc en podcast sur beurrefm.net, et vous regardez l'émission sur YouTube. Très belle journée santé sur beurrefm.